Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est le 22 janvier. Voilà, donc là hier, j'ai pas pu filmer hier soir parce que quand on est arrivé il faisait nuit. Donc voici là où on est, donc c'est un free camp. Donc il y a pas mal de monde quand même. Du coup on n'est pas tous les seuls. Bon, par contre il n'y a qu'un WC, il n'y a pas de douche. Il y a juste des lignes tables à l'abri. Après si on a notre propre matériel, donc ce qu'on a ça va. Donc le programme d'aujourd'hui, je sais pas trop, je crois qu'on va. À Cairns, il n'y a pas grand chose à faire si vous ne faites pas de la plongée ou autre chose. Parce que la ville en elle-même, bah, elle est très vide. C'est très étendu et il n'y a pas grand chose. Il y a un aquarium, mais bon, je sais pas, ça ne nous dit trop rien d'y aller. Donc je pense qu'on va remonter sur Port Douglas, qui est encore un peu plus dans le nord. Et puis voir un petit peu la ville. On va voir ça. Donc là, il est 8h30. On a déjà pris notre petit déjeuner. Fait un brin de toilette, lave les dents et du coup bah là on est prêt à partir avec notre van. Voilà, donc là on va aller sur la route. Finalement du coup on a pris pas mal de temps ce matin parce que du coup il a utilisé l'internet de la ville gratuitement. Il a plus de connexion 3G ou 4G avec son téléphone, donc on est resté pas mal de temps dans le centre-ville parce que là du coup il est 1h10. Et bon, aller jusqu'à Port Douglas, il y en avait pour 1h30, donc ça valait pas forcément le coup. Donc on a trouvé une autre petite plage qui est Palm Cove, qui est à une demi-heure de Cairns. Donc là on vient d'arriver sur le parking et donc ça ressemble à ça. Voilà. Et donc il faut faire attention parce que les crocodiles peuvent être là avec les méduses. Donc on va aller faire un tour sur la plage, sur le ponton, pour filmer tout ça. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Tout le bord de mer avec des magasins, des hôtels. Aussi une aire de jeu pour les enfants, c'est pas mal. Bon, mais ça y est, là du coup on a repris la route de Palm Cove et il commençait à pleuvoir, bien pleuvoir, donc on s'est pas attardé là-bas. Et du coup aujourd'hui on n'est pas très motivé pour faire quelque chose, alors je sais pas si c'est l'après-coup de la plongée ou si c'est juste un jour off comme ça, on n'est pas dedans. Du coup on a regardé, il y avait quelques cascades à côté, donc là on est garé à côté de la cascade. Donc la cascade c'est la Barron Falls, voilà, B-A-2-R-O-N, il n'y a pas qu'un seul R, donc on va aller voir ça. Donc là il y a un petit pont pour arriver jusqu'au point de vue. Un premier point de vue, je pense pas que ce soit la cascade définitive, on va aller voir ça. Autant en profiter, ouais, c'est plutôt pas mal. Autant en profiter parce que, après, dans les jours qui viennent, j'aurai plus du tout la même végétation. On continue la petite balade dans la forêt. Donc c'est vraiment une forêt tropicale, il y a plein d'arbres différents. Il y a quelques explications des fois comme celle-ci.
Donc sur les différents types de végétation qu'il y a. Peut-être que ça va nous réveiller. C'est pas sûr. On est assez haut quand même. Et donc là, le train vient de sonner, donc tout le monde repart. Il y a beaucoup de japonais ou de choses d'asiatiques. Et donc voilà les chutes d'eau. Donc celles-ci sont vraiment très très grandes. Et il y a quelques bassins naturels. Donc on en a un là, on en a un là, un plus bas là-bas. Et en fait, on apprend aussi que donc ces chutes d'eau, c'est une centrale électrique. Donc là-bas, au niveau du barrage, ils ont fait une centrale électrique. Et ensuite, on a ici des explications sur avant, donc c'était le paysage des enfin le pays des aborigènes. Ensuite, là, la construction de la ligne de chemin de fer. Combien de temps ça a pris, combien ça a coûté, des choses comme ça. Et ensuite, là c'est plus la partie forestière qu'on peut apprendre donc sur le parc national. Donc ils ont construit la voie de chemin de fer en 1886 et ça s'est terminé en juin 91. Voilà. Donc là on avait un autre point de vue sur la cascade. Enfin sur les cascades du coup. Et il y a aussi le téléphérique qu'on peut prendre. Donc là on voit les cabines qui sont là, le téléphérique, et qui traverse pour aller de l'autre côté par contre. Et là c'est aussi une trentaine de dollars pour faire le tour en téléphérique. Enfin en cabine plutôt. Ouais, du coup on a changé de point de vue parce qu'à 1 km de là où on était, il y avait marqué un lookout, donc un point de vue sur Cairns. Et du coup, bon, on y a été, donc ça ressemble à ça. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Ah, voilà. On voit pas grand chose. Et donc voici les routes qu'on avait pour monter.
succession de virages comme ça. Ça y est, donc là on est arrivé à notre destination. Donc ça s'appelle Stony Creek Falls. On va continuer par là. On va voir ce que c'est. Déjà on entend le courant d'eau. Donc c'est plutôt bon signe. Donc là en fait on est arrivé au bout de 2 minutes, on est là. Donc ici. Et là il y a des petits poissons dans l'eau. On en voit partout là. Et outre les poissons, il y a aussi des murènes. Là, on en voit une là. À côté de la branche là-bas. Un peu par sous le carru. Bon, et là on continue donc la petite promenade pour aller voir la cascade. Donc c'est des chemins comme ça, donc ils se font assez bien. Et donc on longe la rivière ici. Et je pense qu'il y en a pour 20 minutes de promenade, enfin de marche à peu près pour arriver au point de vue. Yeah, if I do it, I team you. Oh, du coup, on peut pas aller plus loin. Et après pour repartir c'est un peu plus compliqué. Là on pourrait descendre, mais après pour remonter. Voilà. Bon. Donc on n'a plus qu'à retourner à notre voiture. Ça y est, du coup là, il est 6h25. Oui, il y a 20 minutes de marche à peu près pour aller jusque là-haut. Bah on est arrivé sur le parking. Et du coup bah là on va 6h25, on va peut-être rentrer, on sait pas encore. Je sais pas si on va faire une troisième cascade ou pas. On va voir, sinon on va rentrer.
Et puis ce soir, peut-être manger au restaurant. C'est le dernier soir de mon collègue de voiture. Donc on va voir ce qu'on va faire. On va réfléchir là-dessus. Et puis voilà. Bon, finalement là il est 7h et du coup on a plutôt décidé d'aller donc en centre-ville de Cairns pour se faire un petit restaurant. Et il y a toujours autant de chauves-souris. Il y en a partout. Dès qu'il commence à faire nuit, ben, elles sortent de leur arbre. Et donc là, elles vont toutes par là. Je sais pas pourquoi. What do you want to eat? Have you found something? What? Ouais, ça y est, du coup là, il est donc 8h moins le quart. On a décidé de prendre un petit restaurant italien pour manger des vraies pizzas. Donc moi c'est une carnivore, donc avec beaucoup de viande. Et donc pour mon collègue, c'est une 4 fromages. Voilà. Parce que du coup comme il est végétarien, il peut pas manger de viande. Avec une bière pour finir la soirée. C'est plutôt sympa, c'est pas mauvais, ça change de nos pizzas, c'est un peu différent, mais c'est bon quand même.